Alors, tu m'as trouvé quelque chose? Ouais, j'ai comparé ton portrait robot aux gens de la conférence de presse d'il y a deux jours. Ouais, c'est bien notre homme. Attends un peu, reviens en arrière. Ouais, c'est là, arrête-toi. Regarde, il y a une plaque. Tiens, fais-moi plaisir, augmente la résolution, fais ce que tu veux, mais donne-moi son numéro de plaque, d'accord? Pas d'activité récente, mais il a reçu trois appels la nuit de la fusillade au club, venant tous du même numéro masqué. À quelle heure il a reçu ces appels? Le premier à 1h12, 4 minutes après la fusillade, et deux appels de plus à une minute d'intervalle. Quelqu'un essayait désespérément de parler à Evan, hein? Par quelle antenne ces appels ont-ils été relayés au début? Dans le Queens, à l'intersection d'Elmhurst et de Roosevelt. C'est près du garage de Wallace. Comment il a fait pour être si vite au courant de la fusillade? Il y a des appels vers cette antenne passée près du club. Un, trois minutes avant, par un certain Conan Edwards. C'est le videur du club.